Mais ce volume de télé là n'est pas trop. J'espère qu'il y a quelqu'un. Coucou. Coucou. Coucou, bonsoir mes amours. J'espère qu'il y a quelqu'un. Si vous êtes là, signalez-moi pour dire que vous êtes là. En mettant les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs likés. Mettez les cœurs et partagez le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez le live, s'il vous plaît. Lumière là, jeune. Coucou. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Mettez les cœurs. Je ne vois pas de cœurs. Pourquoi? Il n'y a personne pour mettre les cœurs. Mettez tapoter. C'est ça, non? Maintenant, on dit tapoter. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va essayer de parler un peu. Je vais parler un peu seulement. On dit quoi? Comment tu vas? Je vais bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Mettez les cœurs, partagez le live. Partagez, on va parler un peu. Partagez, on va parler. Mon écran est sombre comme ça. Attendez, je vais voir s'il peut augmenter la lumière. Ça me donne mal aux yeux. Il y a du milieu. Mes yeux vont me faire. Ça me fait mal aux yeux. Ok. Coucou. Bonsoir à tout le monde. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Merci. Bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? Je vais parler dans cette histoire de. Je vais parler en même temps. Dans cette histoire de Chilo qui s'est passée. Hier même là, je faisais ma vidéo. On ne peut pas regarder tous les directs. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Mais c'est difficile de regarder tous les directs là. Au moment même que hier même que je parlais même à Jesse là. Déjà, il était en train de mettre en. Il avait déjà mis enregistrement, mais il y a longtemps même. Au moment que ça te dit que Jesse ne veut pas faire comme ça, de rentrer dans ce jeu là. Il avait déjà mis un enregistrement même il y a longtemps. Salut mes amours. Il avait déjà mis Claire, Mohamed, salut. Il avait déjà mis un enregistrement même il y a longtemps. Et puis, ce que je vais dire ce soir, je vais parler un peu de Francine Ba. Oui, je vais parler un peu de Francine Ba. Parce que Francine Ba là, je ne sais pas, hein, moi il me pose question. Moi, je n'ai pas t'appeler maman parce que tout le monde aime t'appeler maman Francine Ba, mais moi, je ne vais pas t'appeler maman. Maman, même là. J'ai du mal même à dire aux gens maman. Ça, c'est déjà en moi quelque chose même que je n'arrive pas à faire. Donc, imagine une femme comme toi, comme ça, pour t'appeler maman. Parce que tu as l'habitude de te comporter comme ça. Tu as l'habitude de te comporter comme ça. Tu es venue sur les réseaux sociaux, cette dame-là. Lorsqu'elle est arrivée sur les réseaux sociaux, on l'appréciait. On s'est dit que c'est une dame. Elle va apporter un plus comme ça dans le blog ivoirien. Elle va apporter un plus. On va suivre son blog aussi
pour essayer de prendre certains conseils aussi. Comme elle-même le dit, elle dit qu'elle n'est pas, elle n'est pas là pour conseiller qui que ce soit. Voilà. Salut, salut tout le monde. Cette dame-là, comme ça, moi je me dis qu'elle ne se fait pas respecter du tout. Elle n'aime pas le respect. Elle n'aime pas le respect, elle ne se fait pas respecter. Oui, Francine, bah, tu n'aimes pas le respect, tu ne te fais pas respecter. Il y a une histoire qui s'est passée, tout le monde a vu, c'est un buzz qui est venu entre Shiloh et Jessie. D'accord? Entre Shiloh et Jessie, il y a un buzz qui est arrivé. Ce buzz-là, par contre, moi, je me dis, hein, chacun a le droit de se donner son point de vue. C'est comme ça, c'est le game, c'est comme ça. Lorsqu'il y a un buzz qui arrive, chacun donne son point de vue. Chacun vient donner son avis comme il veut. D'accord? Donc, tu avais le droit de donner ton avis aussi dans ce buzz. Mais comme tu sais le faire comme d'habitude, oui, tu sais faire comme d'habitude, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu n'arrives pas à te contrôler. Avec l'âge que tu as aujourd'hui, oui, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus une petite fille. Peut-être que tu penses que tu es encore une petite fille, tu penses que tu es encore un enfant. Parce que quand tu parles souvent, tu dis que tu es dans les 40, comme il y a là-bas. Là. Donc voilà, tu es presque 50 ans bientôt. Tu n'es plus une petite fille. Mais lorsque tu poses ta caméra devant toi, lorsque tu viens, tu poses ta caméra, tu oublies même que tu as une mère de famille. Je mets ton mari même de côté. Mais souvent, la partie de maman, là, ça domine plus que côté époux. Oui, hein? Oui, une femme qui a déjà fait un enfant, deux enfants, sa sagesse encore devient plus haut. Mais avec cette dame-là, elle est mariée, c'est normal qu'on l'appelle dame. Avec cette dame-là, elle n'est pas du tout sage. Cette dame-là n'est pas du tout sage. Elle est loin même d'être sage. De la manière que cette dame-là pose sa caméra et s'est citée sur les réseaux sociaux, tout le monde me pose la question. J'ai dit, mais attends, elle pense qu'elle a encore, 25 ans, 30 ans. Elle pense qu'elle est encore très jeune comme ça jusqu'à ce point. Et à comment elle se comporte sur les réseaux sociaux. Il y en a qui n'a personne, qui n'a pas de petits frères, petites sœurs. Tu n'as même pas que tu te comportes sur les réseaux sociaux. En est à personne. Tu es là. En est c'est toi. Quelqu'un qui n'a pas de famille au fait. Tu n'as personne sur terre. Hein? Tu n'as personne sur terre. Parce que ta manière de te comporter sur les réseaux sociaux là, même les personnes que tu es en train de défendre là, je te le jure, ma belle. Oui, ma chérie. Non, je te dis ma belle parce que tu es belle. Hein. Je te dis seulement que. Hein, tu sais, j'aime dire mon gars, ma belle. D'accord, je te dis, c'est pas parce que je te dis que tu es belle au fait. D'accord? Parce que tu ne mérites pas qu'on te dise que tu es belle. Hein? On dirait quelqu'un qui n'a personne. Une personne âgée. Elle doit s'asseoir, poser. Mais c'est site sur les réseaux sociaux. Tu es en train de sauter pour prouver aux gens non, que toi et puis Jessie, tu n'as jamais été avec Jessie. Jessie a dit dans la note vocale que oui. Vous veillez au téléphone. Tu entre femme. Toi, tu es femme. Moi, je suis femme. Ma chérie. Non, le cas se dit la vérité. Tu es femme. Je suis femme. Il faut qu'on se dise la vérité. Une femme qui reste en train de communiquer avec un homme matin, midi, soir, là, c'est quelle amitié? Hein? Surtout, amitié, c'est surtout un homme, un blogueur sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que c'est des amis de longue date. Non, c'est une histoire d'amitié de Facebook. Tu causes avec lui, tu es au travail. Dès que tu as petite seconde de temps, tu as une heure de pause, tu l'appelles. Tu as quelques minutes de pause, tu l'appelles. Dans sérieux. Toi, tu vas venir dire que toi, tu es mieux que Shiloh. Toi, tu vas venir dire que toi, tu es mieux que Shiloh. Toi qui dois prendre le téléphone et venir dire à Jessie ce que tu as fait là, ça ne se fait pas à une femme. Et dis à la femme de Jessie, même si on dit qu'une femme qui ne réfléchit pas comme toi, oui ma belle, on va se dire la vérité ma chérie. Même si on dit que ta sagesse là est très très loin, ma chérie, est-ce que ton comportement là c'est normal? Est-ce que ton comportement là qui est normal? Toi qui dois poser ta caméra.
pour dire à Jesse, Jesse, ce que tu es en train de faire là, ça ne se fait pas. Je suis une femme. Je ne vais pas te permettre cela. Je suis une femme. Quel que soit ton côté que tu es sur le blog, là, tu dois être carré. Tu dis, non, je m'amuse. Mais ça, il ne faut pas faire ça à une femme. Pour une femme, pour une personne qui est sage, pour une personne qui a quelque chose dans la tête, pour une personne qui réfléchit, pour une personne qui n'est pas gamine jusqu'à ce point, parce que l'âge ne fait pas la sagesse. L'âge et puis la sagesse, c'est très loin. Aller à l'école et puis, oui, aller à l'école et puis être intelligent, c'est deux choses différentes. On peut partir à l'école et puis on n'a rien dans la tête. Hein? Mais tu n'es pas du tout sage. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Toi qui dois venir poser ta caméra et dire à ton chéri Jesse, pour dire chéri Coco, mon bébé, parce que sur le live là, c'est ton fils. Mon fils, faut pas faire ça. Ou bien en privé, mon fils, faut pas faire ça. C'est toi qui viens, tu poses ta caméra, tu t'excites comme ça. Tu t'excites comme ça. En bas la boue, poto, comme ça. Ma chérie, y a quoi? Tu vois pas que tu es ridicule. Souvent quand il tombe sur tes lèvres, il peut te regarder. Il dit, mais cette femme-là, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle est normale même? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'elle a une famille au fait? Non, quand il dit quelqu'un dans ta vie, il ne peut pas de ton homme qui est avec toi là-bas. Parce que lui, il pense que tu n'as pas de considération. Mais je parle même en fait de tes personnes au fait. Comme tes frères, tes soeurs, tu... Pourquoi? Ma femme, mettez les cœurs, je vois même pas de pouces. Hein? Je vois pas de pouces. Je vois pas de. Vous ne tapotez pas, vous ne likez pas. Mettez les cœurs et partagez le live aussi. S'il vous plaît, c'est très important. Lorsqu'on regarde un live, pour savoir qu'il y a des personnes qui sont en train de te suivre, vous likez et puis vous partagez. S'il vous plaît. D'accord? Mes amours. Voilà, mettez les bénis, mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. J'ai vu ça, j'ai dit, parce que hier, moi, je suis sortie, je n'avais pas vu même le live de Jesse. Je n'ai pas vu. Jesse même a fait son live avant que moi, je ne sois. Moi, je ne peux pas regarder au moins 4 directs par jour, c'est trop. Bien regarder 4 directs, c'est trop pour moi. Je ne peux pas regarder direct. Ça fait que quand tu regardes trop ces directs comme ça, là, ça gâte ta journée. Tu n'arrives même pas même à faire d'autres choses en train de suivre direct. C'est trop. Donc, j'ai suivi au moins quelques personnes. Et puis, je n'avais pas vu le direct de Jesse. Mais toi-même qui es la grande sœur, tu es la grande sœur de ces deux personnes. Toi-même, non, c'est trois personnes. Même la femme de Jesse. Toi-même qui es la grande sœur. Toi-même qui es la plus... Tu peux même dire que tu es la fille même, tu es la maman même de l'enfant même de Jesse, parce qu'il dit que sa femme a 26 ans. 26 ans, tu es la maman même de sa femme. Toi qui dois venir être posée, vous venez essayer de parler à ces jeunes-là. Mais comme toi-même là, c'est toi-même qui es la maman même rivale même dans ce groupe-là. Oui, parce que c'est toi-même qui es la doyenne. C'est toi, c'est toi-même qui es, tu es la maman même de la quatrième ou la première femme même de Jesse dans cette histoire-là. C'est toi qui es la première femme. Oui, tu es la première dans cette histoire-là. De la même manière, si le sait, de la même manière qu'il cause avec toi là. Ah, venez s'asseoir. Il la connaît, non? Je sais qui elle est. Elle a déjà fait. Je sais qui elle est. Est-ce qu'il la connaît pas? Je connais, je sais qui elle est. Je sais qui elle est. Mais je vais dire mes vérités là quand même. Je sais qui elle est, mes amis. Les bénis. Je sais quelle cette dame là, quelle personne. Si je suis venue parler, je sais qui elle est. Qu'on dit quoi, elle va venir s'asseoir sur toi. Mais je sais qui elle est. Je sais quel genre de femme elle est au fait. Je sais quel genre de femme qui n'a pas honte, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de pour dire non que il faut que je sais. Il faut savoir se retenir. Elle n'a pas de ça en elle.
Je me demande, toutes ces personnes, depuis combien de temps, elles ont sa manière de se comporter sur les réseaux sociaux. Et il y a des filles qui sont derrière elles. Il y a des dames qui sont derrière elles. Il y a des femmes posées, des femmes intelligentes, des femmes intellectuelles, des femmes vraiment très, 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 très sages qui sont encore derrière ces dames-là. En train de... Je t'appelle dame à cause de ton époux. Hein. C'est pourquoi je te considère encore t'appeler dame. Soit tu ne mérites même pas qu'on t'appelle dame, ma chérie. Franchement, tu ne mérites pas. Oui, mais à cause de ce monsieur, je t'appelle dame encore. Ton comportement là, beaucoup de filles là, tu sont en train de te suivre comme ça, pour t'appeler madre, Allah. Toi, on t'appelle madre sur Facebook. Eh Allah, toi, on t'appelle madre. Toi, on t'appelle madre. Toi, on t'appelle madre. Toi, on va t'appeler madre. Tu viens dire que la coach Amanda Chic, elle est avec son quoi là, le monsieur là, hein, son quelque chose là-bas. La coach Amanda Chic est avec son quoi. Dès maintenant, toi, t'es site avec le monsieur là. Jesse, sur les réseaux sociaux là, tu as vu coach Amanda Chic en train de se citer comme ça avec le gars là, le monsieur que tu dis qu'elle sort avec lui là. Tu l'as une fois vu en train de faire ça? Quand on dit garde quoi là, il a arrêté, là, il est serré en train de garder la dame. C'est ce qui fait qu'elle est là. Il est serré et puis il a arrêté en train de garder la dame. Les réseaux sociaux là, la femme là maîtrise le game. Elle maîtrise le game sans se mélanger, sans être dévergondée comme toi. Oui, parce qu'elle arrive à faire à sa manière sans essayer de te ridiculiser comme toi. Ta manière de poser ta caméra et t'exciter sur les réseaux sociaux, ma chérie. Depuis combien de mois, combien de jours tu fais ça là? C'est ridicule, ma chérie. Chérie Coco, c'est ridicule, hein? Ça fait honte, hein? Ça fait honte, hein? Tu ne changes pas encore. Tu es dans ça, dans combien? Tu vas continuer pendant combien de temps? Ça là, sérieux. On n'est qu'à se dire la vérité. Même Evige Milan, qui est venu parler du buzz tranquillement. Sérieux. Evige Milan qui est venu parler du buzz tranquillement, un buzz qui circule. Tu la récupères comme ça. Oui. Elle, tu l'as pris. Chilo même son buzz. Tu as chargé ça comme ça. Tellement tu n'as pas honte. Eh Allah. Eh Allah. Toi et puis Chilo là-même là-haut. Toi, tu veux dire que tu es mieux que Chilo, quoi. Hein, ma chérie. Chérie Coco. Toi, tu es mieux que Chilo. Non, ça, on te demande que tu es trop mieux que Chilo. Chilo, c'est pas fait de sujet qui est sorti là. Tu l'as une fois vu, c'est cité comme ça. C'est que souvent, il la suit pas. Je la suis pas. De la même toi, il la suit pas pour savoir. Sinon, je pense pas si. Elle s'est cité comme ça aussi. Hein? De la même que tu es là, tu es concentré tout moment dans n'importe quel buzz. Quand tes promotions te regardent, quand des personnes comme la génération, la même génération que toi, lorsqu'ils ouvrent les caméras puis ils tombent sur toi, ils te regardent. Franchement, ma chérie, tu fais honte. Parce que si tes petites soeurs comme moi, c'est nous, on pose caméra. Parce que tu as déjà fait un mois, pour ne rien, quand tu es venu me traiter, tu as posé, pour ne rien comme ça. Un buzz, je viens te parler dans le respect. Tu es venu t'apposer ta caméra pour venir te citer sur moi comme ça. C'est pas ce que tu as fait. Tellement tu es une femme sans même. Il y a zéro, nada. Tu es une femme vraiment. Très nul sur les réseaux sociaux, au fait. Tu apportes quoi même aux personnes que. Sérieux, faut laisser les enfants vont sauter. Et ma chérie Francine Ba. Faut laisser les enfants vont sauter, Francine Ba. Sérieux, ma chérie. Laisse les enfants vont sauter. Tu n'as plus ce âge, Francine Ba. Franchement, tu n'as plus ce âge. Tu n'as plus ce âge. Tu as dépassé ça. Si toi tu n'arranges pas, c'est pas toi qui gâtes. C'est pas toi qui aggrave. On t'appelle aggravafé. C'est ce que tu es. Tu t'appelles aggravafé. Tu aimes aggraver. Tu sais pas arranger. Tu aimes détruire. J'ai été remarqué. Tu aimes détruire. Même quand il y a beurre sur une personne, quand la personne est à terre, tu viens faucher la personne. Toi, femme que tu es. Quand la personne est à terre, une femme, vieille femme comme toi. Oui. Décidez là, ça ne dérange pas. Où est-ce là?
Dieu se dit, mais ça ne le dérange pas. Ou Dieu se dit, est comme ça. Là. Si il te met bien, tu sais qu'il va te donner un peu de bénébéné. S'il a besoin de bénébéné, il va te coco là-bas. Il va taper son lalé pour dire, ah viens, mais j'ai besoin de bénébéné. Dès que tu verses le bénébéné, il peut rester en ligne avec toi jusqu'à le lendemain. Du matin jusqu'au soir. Le lendemain encore. Parce qu'il sait que tu vas donner ce lien de communication là. Tu vas rembourser ça. Tu vas rembourser ça. Donc le monsieur là, il fait ça avec toi là-bas. Tu vas croiser. De la manière que Philo, pour Chilo est sorti. Chilo, de la manière que pour Chilo est sorti là. Pour toi aussi là-bas, ça arrive, non, ma chérie. Tu es pressé. De la manière qu'il a préféré. À Chilo là. Pour toi aussi arrive, tu es pressé. Pourquoi tu te presses? Faut attendre ton tour arrive. Ton tour arrive. Au moment qu'il te moussait dans le téléphone et puis en train de crier ouan, ouan, ouan là, ton tour arrive. Oui, oui. Que ça soit en réalité, téléphone, il t'a grain. Téléphone, tu n'as pas vu. Ma chérie, quand il a fait au téléphone, tu n'as pas vu. Toi aussi, tu es venu parler de Chilo. Toi, tu n'es pas venu braquer ce gars-là pour dire que ça ne se fait pas. Toi, tu n'es pas venu attacher ce monsieur-là pour dire, hey, ferme ta bouche là. Non, ça ne se fait pas. Toi, tu n'es pas venu dire ça. C'est toi qui es venu t'asseoir là pour venir parler. Toi aussi, tu as mougou au téléphone. On dit, vous êtes croisé à Paris. Oui, tu as mougou aussi quand vous êtes croisé à Paris. On dit, la fait pour toi aussi. Tu n'es pas mieux que qui que ce soit ici. Tu n'es pas blanche comme neige. Personne. Donc, tu n'as pas tes têtes. Ma chérie, tu n'as pas tes terres. Une vieille femme de 50 ans comme ça. Tu n'as pas tes terres. Pourquoi tu t'incites comme ça sur Facebook, là, ma chérie? Pourquoi tu t'incites comme ça? Tu cherches quoi, maman? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Facebook monétisation. Ma chérie, c'est ça. Donc, c'est ça qui te met dans ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne te respectes pas? Pourquoi tu ne sais pas pour dire non que je vais prendre du recul? Pourquoi tu ne sais pas dire non que aujourd'hui, là, je ne veux pas que je sois. Je veux être respecté dans ce buzz-là quand même. Pourquoi tu ne sais pas dire que aujourd'hui, là, c'est pas, je ne dois pas m'exposer ici? Pourquoi tu ne sais pas faire tout ça, ma chérie? Hein? Pourquoi tu te laisses te trémousser comme ça, en train de te traiter comme ça avec les enfants partout, tes petites soeurs? Elvige Mila a fait ça. Yeah, elle a. Tiens, Elvige aussi. Tu connais l'affaire là de ma chérie. C'est là aussi. C'est quelque chose. Hein. Il dit, je suis arrivé. Je suis arrivé 10 minutes plus tard. Elle a coupé live là. 2 heures de live. Mais après, j'ai repris jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas imaginer. Après, j'ai repris live là, du début jusqu'à la fin. Il n'y a même pas sauté. On peut faire ça. Gola t'a traité comme ça. Tu es venu comme ça. Pour ne rien comme ça. Tu es parti sur sa tente quelque part là-bas. Regarde comment tu commences déjà ton clash avec la fille. Et oui, regarde comment tu commences déjà ton clash. Tu as ramassé ses enfants. Tu as soulevé là-bas. Tu as ramassé sa maman. Tu as soulevé là-bas. Elle a été très sage. Elle n'est pas tombée dans ton jeu. Comme aussi, c'est une femme très intelligente. Elle sait comment il faut faire. Elle connaît les réseaux sociaux. Mais toi, avec ton âge là, ma chérie, tu ne connais pas les réseaux sociaux. Tu ne connais pas. Tu es toujours... Tu es en train de t'appuyer seulement dans tout là seulement. Il dit, tu es en train de t'appuyer seulement. Tu es devenu plate comme pâte à meubler. Tu as devenu plate comme pâte à boubler ici. Parce que, vraiment, elle est rentrée bouler. Je te le jure, Coco. Elle est rentrée même. Il dit, ça, c'est moi. Là. Et tu as te lavé, tu n'es pas propre. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu as venu la garant. Il y a rien, se lève là. Tu as venu la garant pour dire, si elle fait du mal, vous croisez à Paris. Elle t'a montré que, vraiment, tu es malade là. Evige-moi là. Non. Vas-y, go là. Non, il n'y a pas long pour toi. Ma chérie, elle va te montrer que. Il y a un mal à la tête. Oh.
Non, tu es ridicule. Non. Tu veux te rabaisser comme ça. Tu veux faire clash avec tes petites soeurs. Mes amis, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Non, c'est pas la peine. Pourquoi elle se comporte comme ça, cette femme-là? Pourquoi tu es comme ça? Depuis longtemps, tu es comme ça. Hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Pourquoi tu fais ça? Et puis, tu ne réfléchis pas pour dire, voilà le moment, il faut que je quitte dans ça. Il faut que j'essaie de m'imposer autrement sur les réseaux sociaux. Tu ne cherches même pas à faire. Tu aggraves en tout moment. Là, son créateur dit si. Elle dit que oui. Elle jusqu'à présent, ça saute, ça descend. Là, son créateur dit que toi et puis Dieu, si Dieu, vous avez m'emploi, vous avez gré, il t'a zonio. C'est zonio, non? Écrivez mes amours, s'il vous plaît. Là, son créateur, on fait comme on monte, on descend. Elle dit que vous avez fait. Toi, si tu as venu insulter Chilo, tu n'as pas tes terres. Non, tu n'as pas resté dans ton coin. Hein? Evie a fait. Non, Evie a fait. Ça, c'est moi, mais il reste dans mon coin là-bas, il sort plus. Une vieille femme comme ça. Tu veux même pas changer. Même MK Secret, même qui veut même pas. Il veut même pas. Tellement je respecte les grandes soeurs. Mais tellement même là-bas. Je sais pas. J'ai donné mon avis dans un sujet comme ça. En parlant à respectueusement à cette dame-là. Elle est venue comme ça. Parce que je ne parle pas, je ne fais pas palabre. Elle est venue me ramasser comme ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est la même chose. Non, mon français est tordu, mais je ne suis pas une fille vide. Comment on dit là même là? Dévergondée, hein? Ah oui, hein? Je ne suis pas une fille qui est perdue, hein, ma chérie. On n'est pas pareil, toi et moi, franchement. Ah non, hein? Une fille qui sait ce qu'elle veut là, c'est moi, MK Secret. Je sais ce que je veux quand même. Franchement. Tiens ton comportement sur les réseaux sociaux. Chaque jour, ça devient du pire en pire. Pire au pire. Maman, chérie Coco, c'est quoi? Non, c'est dit maman, c'est pas parce que tu t'appelles maman. Hein. C'est une manière de parler. C'est pas parce que tu pas t'appeler maman. Hein. Non, je suis loin de t'appeler maman. Franchement, faut te respecter. Respecte-toi. Si tu te respectes là, les gens vont te respecter. Même Aya. Ayata, savonné ici. Tout le monde même, tout le monde, tous les grands blogueurs là, il n'y a pas un qui t'a pas raté. Tout le monde t'a savonné. Et puis c'est des personnes qui te respectaient. J'ai dit, les personnes qui te respectaient, non. Même Emmanuel qui est en train de faire son palabre de Dieu, parce qu'elle aime ton comportement là même. Tu penses qu'elle aime ça? Oh, jamais tu es cité comme ça sur les réseaux sociaux là. Tu penses que. Soit tu es... Oh, franchement, hein? Tu es grave, hein? Tu es grave, tu n'as pas de... Tu es grave, sans personnalité. Qui ne sait même pas se créer, qui ne sait pas se fabriquer. Quelqu'un que... Vraiment, ma chérie, faut te revoir. Hein? Tu n'es pas mieux que Chilo. Juste te dis ça. Là, tu devais dire à Jesse, non, Jesse, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne rentre pas dans ça. Laisse tomber. Mais comme toi-même, tu es pire. Hein? Tu es pire que Jesse. Qu'est-ce que c'est pas toi-même qui rend Jesse comme ça dans le privé? Voilà, maintenant, il est. C'est toi qui. Pourquoi c'est pas toi qui rend Jesse comme ça? Qu'est-ce que prouve? Hein? Qu'est-ce que c'est pas toi qui rend le monsieur là comme ça? Parce que tu es pire. Tu ne sais pas réconcilier. Tu ne sais pas arranger. Tu ne sais pas souder. Tu es prête à mettre et fondre et détacher. Ça, c'est ton... Ça, tu maîtrises ça que tout. Tu maîtrises ça que tout. L'histoire de Chilo qui s'est passée avec la copine de Décidé qui vient poster l'étude de Décidé. Toi, en tant qu'une grande soeur de ce groupe-là, tu pouvais régler ce problème-là et pour ne pas que ça continue comme ça. Mais tellement c'est une femme... Elle n'est pas intelligente, franchement. Je suis désolée du mot, mais cette femme-là n'est pas intelligente. Elle n'est pas du tout intelligente. Elle est très loin d'être intelligente. Très, très loin. Très loin d'être intelligente. Très loin. Très loin.
pour aller, c'est pas de l'immaturité, c'est manque de personnalité. Non, c'est pas, non, franchement, merci, j'ai pas vu le, c'est pas d'être immature, hein. Non, elle n'est pas, ça c'est pas, on appelle pas ça immaturité, non, ça c'est pas immaturité, non, 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 sérieux, on peut être immature. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'amusent pour dire que je suis immature, nous sommes immatures, elles s'amusent, elles s'éclatent, elles donnent le sourire à d'autres personnes, mais celle-là, non, sérieux, quand tu la regardes, tu attrapes ta tête. Non, si tu étais ma soeur, Marie, je suis blogueuse, et si tu étais ma grande soeur, franchement, de la manière que je suis honnête avec mes proches, parce que sur les réseaux sociaux, vous devrez savoir qu'on ne peut pas être honnête à 100% sur les réseaux sociaux. Non, ça fait que tu serais détesté d'une manière. Donc, je ne suis pas venu ici pour être très honnête. Ça se dit aussi que dans la sagesse, toutes les vérités ne sont pas bien à dire. Donc, je suis sûr, c'est ma manière de me comporter sur les réseaux sociaux. Les vérités, je ne dis pas de ma bouche. Quelle que soit la vérité, à certaines vérités, je ne peux pas dire. Ça, c'est comme ça. Mais quand il s'agit de mes personnes dans le privé, je préfère te dire la vérité, même si on va se séparer. Mais tu vas aller réfléchir des années plus tard. Tu vas venir me dire, ah vraiment, la vieille, tu m'avais dit comme ça, vraiment, tu avais raison. Oui, oui, parce que j'ai été très sincère envers toi. Je t'ai dit ce que personne ne pouvait te dire. Ça, je suis comme ça dans la vraie vie. Mais sur les réseaux sociaux, je ne peux pas. Non, franchement. Parce que il y a des vérités, on ne dit pas. Voilà. Il y a des vérités pour moi, ça ne se dit pas. On ne peut pas être honnête d'une manière. Non. Je me tais, je ne parle pas. Ou j'essaie de rigoler avec. Parce que je me dis qu'il y a des vérités, je n'ai pas le droit de dire. Mais là, je suis très sincère à cette dame-là. Elle n'est pas bien. Qu'elle essaie de se revoir. Oui, parce que je n'ai pas besoin de son amitié, je n'ai pas besoin d'elle, je n'ai pas besoin de sa collaboration, je n'ai pas besoin même d'être, quoi que ce soit d'elle au fait. Donc je vais lui dire ce que je pense réellement de son agitation sur les réseaux sociaux, de la manière qu'elle s'agite, de la manière qu'elle est citée, de la manière que beaucoup de personnes, te regardent, comment ils te voient. Il va te dire ça, ma chérie. Franchement, c'est MK Secret. Je vais te dire ça. Comme j'ai essayé de te dire une fois, et puis tu es venu me clasher. Mais ça, je t'ai parlé dans le respect. Je t'ai parlé en ce temps-là. Je t'ai parlé comme je suis en train de parler à ma personne. Ça, je t'ai parlé comme ça en ce temps. Mais là, je te parle même comme une femme perdue. Quand la main, tu es perdue, là, je te parle comme ça. Ça te plaît, ça te plaît pas. Je m'en fous, au fait. Tu vois, non. Mais je dois te dire. Comme je peux le dire pour que tu puisses entendre. Elle a commencé à insulter les enfants d'Evige. Franchement, Evige n'a même pas. Evige n'est même pas encore. Elle est focus. Evige est focus. Elle est sur toi. Elle est juste dans son élément de Chilo. Entrée avec Jesse. Et Evige, c'est une doyenne de clash. Elle adore la chose. Elle adore le clash. Je ne sais pas, elle est plus Sylvia qui est mieux. Elle a mal à la tête. Je ne sais pas, elle est plus Sylvia là, qui est mieux. Et les deux filles là. Non, Aya aussi est dedans. Aya aussi. Non, on ne va pas oublier Aya. Aya aussi est dedans. Mais les personnes même là, mais qui aiment clash, quand on dit qui aime clash là, elle maîtrise clash. Elvis maîtrise clash. Elle ne se paie pas. Elle ne se paie pas dans clash. Quand elle fait clash, là, elle a étudié le dossier. Puis elle vient et dit que, il y a comment elle t'a fait aujourd'hui. Elle t'a brossé. Elle a nevé comme ça ton douchi. Là. Elle a nevé un peu comme ça pour faire ça comme ça. Et puis elle dépose. Elle a déposé comme ça. Et maman. Elle peut se vendre comme ça devant ses petits enfants. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Tous les jours, c'est comme ça que tu es, ma chérie. C'est comme ça que tu es. Non, moi, tu me déçois. Hein. Tu me déçois même.
Et puis, j'avais tellement de la considération pour cette femme-là au début. Je la suivais même quand elle avait commencé ses conseils. Elle parlait beaucoup d'immobilier. Parce que vous voyez, j'ai fait tous mes bérets là. Je suis beaucoup les personnes aussi qui donnent conseils sur la vie de l'évolution. C'est ça, non? Comment il faut évoluer dans la vie aussi. J'aime suivre ces gens de personnes là. Il y a des personnes comme ça. Après mes bérets, j'aime aussi écouter les conseils aussi de comment il faut s'en sortir dans la vie. Parce qu'on ne va pas rester là. Après, le téléphone est fermé. Hein. Il y a les réalités qui nous rattrapent. On doit essayer d'avancer dans le projet. On doit essayer de réaliser. On doit essayer d'être des personnes, des femmes on doit faire l'entrepreneuriat. Tout ça, français est compliqué. Donc, tout ça est là. Donc, il faut essayer de réfléchir à tous ces trucs-là. On essaye de suivre aussi des personnes aussi qui peuvent nous booster aussi sur ce côté. Donc, elle a commencé aussi parce que l'achat de l'immobilier comme ça en France, c'est très important. Elle parlait de ça, je la suivais beaucoup. J'écoutais, j'aimais vraiment ses folies. Surtout quand elle venait, la première vidéo même que j'ai vue d'elle, elle a fait une vidéo sur Alpha Blondie. J'ai aimé sa folie d'immaturité. Ça, on appelle ça les femmes immatures. On appelle ça, c'est intéressant. Mais immature, tu viens, tous les enfants là rentrent dans ton truc là, comme ça, elle tire ça comme ça. Elle enlève comme ça, elle jette. Elle met là-bas, elle tire comme ça. Tout, elle enlève tout en toi, comme ça, puis elle jette comme ça, elle met quoi, pas. C'est ça, on dit immature là. C'est ça, on dit immature. Moi, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Si tout le monde veut nous dire que MK se crée à peur, c'est pas faire clash. Moi-même, c'est pas insulté. Ce qu'il s'est fait là, de la même que toi, tu veux qu'elle vive, n'a qu'à te croire pour beauté là. C'est ça, il maîtrise. Quand on se croit, puis on se frappe là. Il maîtrise ça que bouche. Quand on se croit, puis on se bolo bien là. Il maîtrise ça que bouche. Bouche, là, il s'est pas fait. Quand on se frappe. On peut être une femme, regardez. J'espère que quand tu fais ça, tu t'enfermes quelque part. Et puis personne ne voit dans ta folie là. Quand il a regardé, il fait comme ça. Femme l'obsédée. Pourquoi la femme elle est comme ça? Je suis là jusqu'à. Je reste à côté. Il peut te regarder comme ça 10 minutes jusqu'à dire. Pourquoi la femme elle est comme ça? Je regarde comme ça. Après, je quitte ton live. Il dit. Mais regarde comment elle est. Elle est excitée comme ça. Pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a personne pour l'arrêter. Et puis, au fur et à mesure, ça devient pire, elle ne change pas. Elle veut quoi? Visibilité. Et à 60 ans, là encore, ma chérie. Tu vois pas tes enfants, tes amis de 60 ans, là, tu ne les vois pas. Hein? Hein? Tu ne vois pas tes amis de 60 ans sur Facebook, là? Donc, dans l'amusement, là, tu es puis décidé, là. Tu t'en vas causer de ta culotte, elle est décidée. Donc, dans l'amusement, là, décide de te mougou. Maman. 60 ans. Tu veux frais aussi. Si le moins, elle est jeune. 60 ans, là, tu veux un garçon qui est frais. 60 ans. Elle veut trembler. Elle veut que ces gens aussi n'ont qu'à trembler en air. Adama, ma chérie. 60 ans, là. Hein? Faut laisser dans la main des enfants là. Pardon. C'est ça, tu es cité comme ça. Tu penses qu'ils vont t'arracher ton élément là même. Non, c'est ça. Tu penses qu'ils vont t'arracher le monsieur là en question. Ils vont pas t'arracher. Faut donner bené. C'est ce qu'il aime. Tu ne le connais pas ou quoi? Tu connais, non? C'est un truc là, non? Il va aller nulle part. Si la fille n'est donnée pour une, dans quelques jours encore, ça est là, il va boire des gays. Jessie, il faut boire des gays. Jessie, il faut boire des gays. Si tu t'en vas, tu finis, tu bois, il faut boire les loups des gays. Il faut mettre non, là. Faut faire, tu vois, hier t'as parlé du là, hier il y a une de tes vidéos tout à l'heure là, tu as parlé petit du là comme ça, ton du là est bien clair. Donc c'est pour te dire que faut boire beaucoup de dégâts, faut boire dégâts comme ça là.
quand ça sera rempli, là, ton bas-ventre sera bien rempli. Quand tu vas te verser dans elle, là, elle va dire, yé, c'est moi seul, Mugu, hein. Et puis tu as fini de verser partout avant d'arriver chez elle là-bas. Elle sera contente, elle va te verser beaucoup d'argent, c'est le secret, mon gars. Elle va te verser beaucoup d'argent. Vieille femme comme ça, qui est citée comme ça. Tu n'as pas laissé le jeune là faire sa vie tranquillement là-bas. Chilo a fait quoi? Chilo a fait quoi? Elle a pris ton gars. C'est ça qui est cité sur elle là. Chilo! Ma chérie Chilo, faut laisser le monsieur là partir chez le mougousseur là. Dès que tu as le comportement, hein? Dès que tu es grave, hein? Chilo, Chilo, tu as vu ce que tu as vu ton comportement? Femme là, tu as vu, non? Tu as vu ce qu'elle vient de te faire là? Elle a dit qu'elle avait une tête. Comment tu veux ça comme ça? Comment? Hein? Ma chérie, il faut prendre ton gars. À 5 heures du matin, là, tu veux même pas que tellement tu veux même pas qu'il cause avec une autre personne. À 5 heures du matin, tu te réveilles. 5 heures du matin. Non, il a. Non, Jessie, tu as un secret. Jessie, tu as un secret. 5 heures du matin. Une femme qui se réveille en train d'appeler un autre garçon à 5 heures du matin. 5 heures. Pour lui dire quoi? Ça boue. Ton nien fait pou. Pou. Ton nien fait pou. 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 Jessie va mettre. Non, la femme là, elle me déçoit. Je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. Qui m'appelle? Appelle vidéo. Vous voyez, non, ça peut être un comportement. Je ne te crois jamais l'appel là. Fatou Sang, comment tu vas m'appeler? Faut m'appeler, j'ai besoin de tes produits. Tu vends des produits aux États-Unis là-bas. Je veux commander certaines choses avec toi pour coller les perruques, pour faire. Tu vends les trucs. Je vois sur TikTok, c'est certaines choses que tu vends. J'ai besoin les cols là, les cols et puis pour boucler les cheveux là, pour boucler les mèches. Si tu as des produits pour boucler les mèches, parce qu'il y a des vraies qualités aux États-Unis et puis au Canada, il y a des vrais produits. Comment il faut coller les cheveux? Parce qu'il y avait d'autres ici qui avaient payé. Il y avait acheté au Canada, mais il n'y a plus assez. Où il faut coller les perruques sans que tu s'assoies avec le col à l'eau. J'ai vu que tu vends ça aussi. J'ai besoin de ça. C'est pourquoi j'ai besoin de toi dans mon privé. Donc, essaie de m'écrire. Étant donné mon numéro public, écris-moi et puis tu me dis que c'est toi. Et puis, on va causer. Tu vas me dire comment il faut payer, comment il faut expédier. Voilà. J'ai besoin de toi, ma puce, si jamais tu regardes ce live. Vous voyez, non? Un homme garçon, Enrique. Non, non, Jessie seulement là. Jessie. Non, Jessie seulement là. Jessie. Ce que tu es en train de faire aux femmes là. Et puis, il aime les femmes camerounaises. Il aime les femmes ivoiriennes. Parce que la vieille Caracas là, si c'est pas ton agent, la vieille Caracas, sérieux, si c'est pas ton agent là, quand toi-même tu te regardes là, si c'est pas à côté de 200 euros, 300 euros, les petits jetons que tu donnes à Jessie là, quand toi-même tu te regardes là, Jessie va faire love avec toi. la vieille, quand toi-même tu te regardes à 60 ans là, si Jessie te regarde là, Jessie là, peut faire love avec toi. Si c'est pas à cause de tes jetons, il va faire love avec toi. Ces jetons, petit bénin que tu lui donnes, c'est ce qui fait qu'il est dans love de 5 heures du matin avec toi. Parce que on ne voit pas. Et puis quand tu l'appelles à 5 heures, il décroche, vous levez. C'est à cause de ton agent. C'est quoi? Tu veux faire tout encore pour chasser la petite fille là encore à la maison là-bas encore. Comme ça, il sera encore à toi. Celui, le célibataire. Toi, tu rentres dans la maison, là, il te mougou. Il lui reste célibataire, en train de mougou seulement. Il n'a qu'à rester célibataire. Tu as chassé Mati. Mati, là, tu l'as chassé. Quand tu finis de parler pour dire mon fils, ma fille, quand tu en parles à Jessie, tu dis laisse-la. C'est comme dans les femmes, ça, là. Laisse-la. Tu ne sais pas arranger. Oh. Moi, je te connais. Tu ne sais pas arranger. J'étais au sein depuis maintenant combien d'années. Tu ne sais pas arranger. Tu sais que gâter. Tu sais que gâter. On dit quoi? Ce qu'elle a dit quoi sur coach? Ce qu'elle a dit sur coach là, elle est tombée de mon intime. Cette dame là devrait voir. Elle a dit non, franchement. Elle vient dire non que la coach Amandchi est avec son gardien, son garde-corps.
est le moins là. Garde-corps là. Il est juste derrière pour dire garde-corps. Toi qui es là, t'es cité comme ça sur les réseaux sociaux. Mon fils, Dieu s'est venu faire un live aujourd'hui. Dieu s'est sorti un loup comportement là. Dieu s'est aussi venu faire un live aujourd'hui pour dire mon amour, ciao, merci. Yeah! On peut se réveiller matin bonheur comme ça pour venir appeler femme des gens mon amour en direct. Oh, à cause de 300 euros, bien 200 euros, Jessy. Pourquoi tu fais ça, Jessy? Jessy, 300 euros à cause de 300 euros, 200 euros. C'est pour ça que tu viens faire ça là comme ça. Hmm? Tu viens faire comme ça. Mon amour, t'inquiète, tiens, mon amour. Yeah! Le papa est déjà cassé, tu es obligé d'assumer, Jessy. Ça reste elle maintenant. Faut venir assumer, maman. Parce que là, son créa a dit. Là, son créa a dit que. Il te zote, c'est comme on dit le mot là. Yeah, MK Secret. Là, son créateur a dit qu'il te mougou. Depuis combien d'années elle est dessus? Toujours quand elle vient là, elle dit, je dis que il se mougou. Voilà l'audio maintenant qui est sorti maintenant. Voilà l'audio maintenant qui est sorti. Où l'autre est en train de dire, oui, où il est en train de dire maintenant pour dire non que ce que vous dites sur les réseaux sociaux là, c'est vrai. Franchement, on est quand même, écrivez dans les commentaires, mes amours. Les bénis, écrivez dans les commentaires. Une personne qui dit au téléphone ce que les gens, parce que là, son créateur dit que ils sortent ensemble avec Jessy et Francine Ba sont en couple. Ils sortent ensemble. Ils sont, ils se cherchent. Ils sortent ensemble. Go et gars. Ils sortent ensemble. C'est ce que là, son créateur a dit. Et maintenant, dans la communication, et il a, elle a eu à appeler le monsieur en question. Je vous explique, vous qui ne savez pas de quoi on parle, parce que tout le monde n'est pas dans Congo, dans ça là, tout le monde n'est pas dans ça. Donc, je vous explique. Et maintenant, l'autre appel, c'est la dame en question appelle pour dire non que c'est, elle appelle pour dire non que ah allô, elle appelle et puis l'autre lui dit que ah vraiment Francine va en train de m'appeler, que non faut la laisser, laisse-la au travail. Après, je vais, on va, elle et moi on va causer. Tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Après, elle et moi on va causer. Et puis l'autre lui pose la question, est-ce que vous sortez ensemble? Il ne veut pas rentrer dans ce détail-là parce qu'il sait qu'elle est blogueuse. Est-ce que vous comprenez? Parce que les blogueurs se méfient. On se méfie toujours entre nous-mêmes là. On se méfie. On se méfie grave. Dieu ne veut pas rentrer dans le détail ça là. Il a coupé. Et maintenant, il lui pose la question. La dame lui pose la question encore. Chilo lui pose la question. Et lui-même, il dit, tu veux m'arrêter de parler de ça. Et lui-même qui dit que ce que vous dites sur les réseaux, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux là, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux là, c'est vrai. Et puis les gens disent sur les réseaux sociaux que les deux sortent ensemble. C'est ce qu'ils ont toujours dit sur les réseaux sociaux. On dit sur les réseaux sociaux que les deux sortent ensemble. Et puis lui-même encore, il n'est pas rentré, il n'a pas été droit, il n'a pas été direct. Jessy n'a pas été direct. Jessy a dit simplement que ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Et il dit encore, la même personne qui dit encore que elle et moi, on reste, on cause même de notre, même, on cause notre cause, même rentre dans les caleçons. Sans français, ils ont parlé. Hein. Et puis un français, quand tu veux traduire chez nous, les Africains, quand tu veux traduire chez nous, les Africains, vous savez comment on fait les paraboles. Vous savez comment on n'est pas droit dans nos propos. Vous savez qu'on veut mélanger là. Vous savez comment on mélange. Donc quand tu écoutes bien, ça veut dire que... ça veut dire que toi et puis le monsieur, ce qu'on dit, que vous m'emplossez ensemble, c'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Oh. Il dit, on dit que vous m'emplossez ensemble, c'est vrai. Et il a fini de dire ça encore. Il dit, on reste même en communication jusqu'à 5 heures. Tiens! Attends, si je comprends bien, vous commencez à causer à partir de quelle heure? 22h ou bien 23h ou bien minuit. Jusqu'à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Ou bien, c'est à quelle heure vous commencez? Attends, ou bien c'est à 4h, il t'appelle. Et maintenant, tu sautes. Allô, Jessy? Et puis, vous commencez à causer. Ou bien, vous commencez à 2h, jusqu'à 5h. Tiens, ma chérie, vous parlez de quoi? Sérieux? Un homme et une femme qui restent au téléphone de 2h jusqu'à 5h. Ils parlent de quoi? Un homme. Et puis les gens disent sur les réseaux sociaux que vous sortez ensemble. Vous parlez de quoi? Jessy. Tu vas voir que Jessy s'est fait mourir à distance.
Tu vas voir que Dieu s'est fait mouler à distance. Hein? Tu vas voir que Dieu s'est maîtrise mouler à distance. Donc dans ça là, quand il est en train de causer avec elle là-bas là, elle fait ma chérie. Fallait laisser Chilo tranquille parce que tu n'es pas mieux que Chilo. Point. Tu n'es pas mieux que Chilo. Quand on est en train de parler de femme qui a trompé, là, toi, tu te tais, tu la fermes, tu ne parles pas aussi. Tu te caches. D'accord? S'ils sont en train de parler de femme qui a trompé, qui n'a pas trompé, qui a trompé, toi, tu te tais, tu la fermes, tu te caches. Parce que tu n'es pas mieux. Lorsqu'on est mieux, là, lorsqu'on est blanc, là, lorsqu'on est clean, là, c'est là où on vient maintenant, on ouvre sa bouche. Et puis on parle comme les personnes clean. Mais si ce n'est pas le cas, là, tu la fermes. Tu fermes ta bouche. Tu fermes tout. Pas. Si tu as une personne qui a honte, tu fermes pas. Et puis tu dirais dans ton coin, là-bas, tu regardes, tu observes. Ou bien tu essaies d'arranger. Parce que tu sais que tu n'es pas blanche. Tu n'es pas claire. Tu n'es pas tu qu'au fait. Tu as compris. Toi, tu as venu dire non que tu as venu insulter Chilo. Elle est jalouse de Chilo. Merci beaucoup, Carole. Très jalouse de Chilo. Elle pense qu'il va pas prendre. Et Chilo va pas prendre. Parce que lui, il est là. S'il a besoin de 200 euros. S'il a fait un mois. S'il a fait deux semaines. Qu'il a besoin de 200 euros. Ou bien chaque mois. S'il sait que Chilo doit le compléter. Il va faire tout pour blaguer Chilo. Chilo pense qu'il t'aimait quoi. Chilo, il n'aime personne ce gars. Chilo. Comment penser que lui, il était fond de toi. Lui, il n'aime personne. Dieu si. De la manière que j'ai écouté. De la manière que tu es une personne, tu es un manipulateur gros grain. Il n'aime personne. Sinon, il n'était pas fond de toi. Quand il sait qu'il doit prendre tes 200 euros, 300 euros pour se compléter là, il va t'appeler. Il va tout faire pour te blaguer, pour te croiser. Et puis, il va prendre pour lui. On va penser que il est tout. Cette femme, il n'était pas fond de toi. C'est la même chose aussi pour comme on appelle là. Pour la femme, là, la vieille femme de 60 ans, là aussi, là, c'est pareil. C'est la même chose comme pour elle aussi. Tu es là en train d'appeler ces femmes, ma fille, hé, hey, ma fille. Et puis, c'est là, tu es en train, ma chérie. Donc, tu es en train d'appeler la petite fille, là, comment elle s'appelle, là, 26 ans. Elle a dit, elle a 26 ans. Tu as appelé la petite fille, ma fille, et puis, Matt, en train d'appeler Matt, Matty, ma fille. Non, mais les gens, les femmes sont bizarres quand même. Hein. Matt. En ce temps, même, il a dit Matt, là même, là, c'est pas. Parce que c'est Matt, même, elle comprend ce qui se passe même. Francis, l'autre, là, en train de dire, là, son client, en train de dire que ton chéri sort avec une personne. Toi, tu dois te méfier de cette personne. Tu es en bas de ses commentaires. Du coup, tu fais appel même. Femme. Vous avez un gros cœur aussi. Tu es dedans comme ça. Tu n'as pas dit que c'est pas clair. Tu n'as pas dit que c'est pas clair. Il est là même dans ton nez comme ça. Il t'a trompé dans ton nez comme ça. Foutaise même. Matt, c'est foutaise. C'est foutu de toi même. Gola, c'est foutu de toi. Il dit non. Et puis elle a causé à toi pour tenter d'arranger. Et puis quand elle finit, elle est en train de te briser, ils sont se moquer de toi. Elle disait ça. Matt, quand il finit de causer comme ça, ils sont se moquer de toi. Elle ne sait pas même que. Il va dire que. Elle ne sait même pas même que. Il va se dire comme ça. Elle ne sait même pas même que moi-même là-même là. Elle sait que moi-même là-même là, je suis. Tu es mon gars. Tu vois, non? Et tu comprends? Matty, ils se sont foutus de toi. Hein. Ils se sont foutus de toi, mes amours. Bob le père son âme disait qu'il est gigolo. Jesse n'a jamais caché ça au fait. Jesse n'a jamais caché ça. Jesse, vous les blogueurs là, pardonnez, faites à cause de Dieu. On va plus venir parler encore de sujet de Jesse là encore. Laissez Jesse va chercher les femmes qui ne sont pas blogueurs. S'il vous plaît. Oui, j'ai fini de parler. Il va vous dire ça. Laissez Jessie chercher les femmes qui ne sont pas blogueurs. Vous les blogueurs, là, s'il vous plaît.
ne partez plus vous donner à Jesse. S'il vous plaît. Laissez, il n'a qu'à chercher dans Rouen là. Si tu es bloqué, tu es dans Rouen. Si tu vois Jesse, il faut chercher le chemin. Parce que vous pouvez te blaguer là. Et puis si tu as déjà fait, tu ne faut jamais devenir blogueur. Pardon. Parce que tôt ou tard, les enregistrements vont sortir. Dans les blogueurs là. Il est encore en direct. Ah, il est en direct. Et Mère est en direct. Mère est en direct. Vous avez vu, non? Francine Bach, il doit venir arranger les choses. Mais tellement cette femme-là. Eh hey. Hey non, sautrant de Moussoumié. Sautrant. Si on dit femme qui aime sautrant, là. Quand on dit femme qui n'aime pas la paix. Quand on dit femme qui n'aime pas voir les gens heureux. Femme qui n'aime pas, qui aime toujours avoir. Toujours les gens, donc elle aime yeux. Et puis yeux, là, c'est pas bon côté. Vilain côté des yeux, là. Elle aime ça. Les personnes même qui sont en train de penser que vous qui pensez qu'elle est en train de défendre eux, quand vous êtes accroché comme ça sur elle là-bas. À cause des yeux, là, elle va aggraver l'affaire. Pour ne même pas que cette femme-là puisse. Cette histoire-là même puisse qui finit. Elle va aggraver l'affaire. Vous devriez savoir ça. À cause des yeux, là. Elle va aggraver pour ne jamais que ça puisse. Parce que normalement, quand il y a buzz sur une personne, on fait le buzz et puis on passe à autre chose. Mais elle va aggraver le cas. Elle va aggraver, exagérer jusqu'à ce que. Jusqu'à le cas là. Ça n'a pas fini. Ça serait là où ça serait là. Restez là. Femme que depuis combien d'années, mais elle fait quoi. Vous ne la connaissez pas. Vous ne suivez pas ce live. C'est là. C'est là. Les amis, c'était MK Secret. Bisous à vous. J'espère que vous avez partagé. Abonnez-vous à cette page-là. On va faire des lives ici. On va faire des lives. C'est deux jours-là ici. Je sais pas pourquoi. Je vais faire des lives bizarres d'une manière là. Voilà quoi. Bisous à vous. Prenez soin de vous. Et il faut te faire respecter. Si tu te fais respecter, tu vas voir que les gens vont te respecter. Ne te fais pas respecter, ma chérie. Tu seras broyé. Ils vont te dire, tu seras broyé même fort, sans bruit. Parce que tu ne te fais pas respecter. Et si je fais tes conneries, tes bêtises là, je te demande pardon. Une femme qui s'est donné de la place sur les réseaux sociaux comme coach Amand Chic. Une femme qui a de la valeur comme coach Amand Chic. Une femme qui ne reste pas au téléphone jusqu'à 5h du matin avec un blogueur comme coach Amand Chic. Pardon, tu la respectes s'il te plaît. Tu l'enlèves dans tes bêtises là. Et puis te concentre. Parce qu'elle ne va jamais te donner l'heure. Dis-toi ça. Jamais elle va te donner l'heure. Jamais elle va te considérer. Parce qu'elle n'est pas dévergondée comme toi. Elle sait pourquoi elle est sur les réseaux sociaux. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait comment utiliser les réseaux sociaux pour aller de l'avant. Elle sait. Elle connaît ça. Une femme comme toi là, il faut chercher à connaître ça. Comme ça, tu vas aller de l'avant. Tu la laisses tranquille. Tu ne la mets pas dans tes bêtises. Tu connais, tu sais comment elle a fait pour arriver là où elle est aujourd'hui. Tu sais comment elle se bat pour toujours être de l'avant. Tu sais, tu connais. Tu peux demain tu t'excites là. Si elle était excitée comme ça, il y a beaucoup de milliers de femmes qui allaient avoir confiance en elle jusqu'à aujourd'hui. Tu penses que c'est le cas? Quelle fille de porter ces petits habits que vous prenez photo pour dire c'est une femme comme ça là? Quelle fille de faire ça là? Elle sait. Ça fait combien de millions de vues? Elle sait que comment les gens vont parler de ça. Et puis ça rend encore sa popularité, elle ne serait jamais éteinte. Elle sait comment il faut faire. Mais elle ne vient pas faire comme toi. Où toutes ces petites filles-là viennent l'insulter n'importe comment. Non, elle connaît sa place. Elle sait ce qu'elle fait. Elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas perdue comme toi. Ne te compare jamais à elle. N'essaye même pas de parler d'elle dans tes conneries là. Parce qu'elle ne te voit même pas. Non, elle ne te voit pas. Même quand tu vois les blogueurs qui essayent même de défendre Coach Amand Chic. Tu ne vois pas un peu leur niveau de maturité. Tu ne vois pas leur niveau de savoir comment il faut respecter les gens. Tu ne connais pas leur niveau, tu ne vois pas. Elle n'est pas. Il ne faut pas la mettre. Vous n'êtes pas pareil. Elle est loin même d'être comme toi. S'il te plaît, si tu vas réfléchir pour essayer de faire ton blog, pour essayer de te faire une place sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que tes petites soeurs et tes petits frères vont te respecter, il faut te faire cette place-là. Mais il ne faut pas venir penser qu'elle va rentrer dans ta saleté-là.
Jamais de la vue, de la vie, jamais. Quand tu as mon chic, si jamais tu vois ma vidéo là, faut même pas faire vue parce que elle, faut même pas faire vue. Tu vas perdre son temps sur une page, sale page qui n'apporte rien à ses petites soeurs, qui n'apporte rien à ses proches, qui n'apporte rien à personne. C'est sa page, c'est ce qui ça est au juste. Ça n'apporte rien. À cet âge-là, elle devait pas être à ce niveau. Franchement, tu as venu parler de cette dame-là. Tu as venu parler. Tu connais ce que les gens font dans le privé. Tu connais? Toi-même, ce que tu fais dans le privé, là, c'est exposé. Tu as venu dire non, qu'elle sort avec son tuc. Tu l'as une fois vu en train de coller avec le tuc, là. Tu as une fois vu en train de dire non, que quelqu'un en train de dire que son garde-corps, là, il est, comment on appelle, là? Il est en train de dire à quelqu'un pour dire non, que je suis fan d'elle ou bien elle est fan de moi. Tu as une fois entendu quelque part? C'est sang d'une femme de valeur. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le couloir de tout un chacun. Mais une femme de valeur doit connaître comment il faut être carré, comment il faut être posé. Elle ne sait pas, elle ne se met pas dans tout et n'importe quoi. Une femme, une vieille femme sale comme toi. Tu ne sais pas comment tu chauffes mon cœur, non? Parce que quand elle voit ta monnaie faire tes lives, là, tu chauffes mon cœur. Je t'ai dit ça au du Francine Ba. Tu chauffes mon cœur. Tu chauffes mon cœur. Tu chauffes mon cœur. Je préfère d'autres personnes même qui défendent eux que cette dame-là. Oui, parce qu'elle est là pour... Elle est prête pour nuire les gens. Elle est prête pour te nuire. Elle pense qu'à elle. Elle pense à personne qu'à elle. Elle pense qu'à elle. Franchement, elle va venir parler des bonnes femmes qui ont tout fait pour être là aujourd'hui, là où ils sont. Hein? Qui ont tout fait. Quand tu la vois, quand elle va au Togo, elle avait son mari. Quand elle est à Abidjan, elle avait son mari. Quand elle se promène là, elle avait son époux derrière elle. Quand elle vient sur les réseaux sociaux, elle vient conseiller ses petites soeurs. Chacun, elle dit la vérité que les gens n'aiment pas. Sinon, vraiment, beaucoup de fois, c'est la vérité qu'elle dit. La réalité, au fait, c'est de ça qu'elle parle. Tu viens te comparer à ces gens de femmes-là. Toi qui n'apportes rien à personne. Tu n'apportes à ton âge, là. Tu devais être sage. Et venir nous parler de tes expériences. Mais qu'est-ce que tu sais faire? À cause des vilains vues comme ça, là. Tu t'excites comme ça sur les réseaux sociaux. Franchement, tu me déçois tellement. Au début, je suis allée m'abonner à ta page à cause de quoi? Parce que j'ai dit, non, cette femme-là, elle apportait un plus. Mais franchement, une femme comme toi, comme ça, là. Au revoir, mes amours, c'était MK Secret. C'était MK Secret. Bisous. Apprenez aussi, vous les filles, là aussi, là, apprenez à sortir avec des hommes. Si tu vois un homme qui parle trop, là, évitez-les. Évitez les hommes qui parlent trop. Apprenez à dire à un homme qu'un garçon ne parle pas trop. Si tu as déjà, même si tu as déjà fait un mougou une fois avec un garçon qui parle trop là, il faut disparaître, il faut faire un mougou pan. Oui, les garçons qui parlent trop, on les fait un mougou pan. Les garçons qui parlent trop là, on les fait un mougou pan. Tu ne veux pas deux fois, parce que tu sais que tu le connais. Mais quelqu'un qui parle trop, vous êtes avec les hommes qui parlent trop. Le jeu se sépare, toi là, il veste tout. Ta famille, tout est. Parce qu'un homme connaît plus sa chérie que d'autres personnes. Moi, comme ça, ma famille ne me connaît pas en tant que, comme un garçon, quand j'ai confiance en un homme, là, parce que quand j'ai confiance en un homme, il sait comment je me livre à cet homme. Il me connaît plus que ma propre famille. Un garçon qui parle trop, il va te livrer comme ça. Ok, mes amours, bisous. Et puis, Evige Milan, vraiment, j'ai beaucoup aimé ton live. Merci beaucoup, ma chérie. Tu as bien fait. Tu as fait ça propre. C'était bien dosé même. Tu as bien cherché son point G là. Elle a bien vu aujourd'hui là avant de ce soir là. Bien, tu as bien fait le truc là. Jessie. Oui, moi, était loupé, Narina. Chauffe mon cœur. Quelqu'un se dit, mais chauffe mon cœur. Il y a des gens qui doivent l'appeler la madre, la maman, la maman. Il dit, mais c'est la même. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? C'est la même là. C'est... À ton âge, là, toi qui as 26 ans, mais tu as 30 ans, là, ou bien tu as quel âge, là?
Elle doit t'appeler la madre. Parce que celle-là, elle n'est pas ta madre. Appelez les bonnes personnes madre. Celle-là, elle n'est pas dans ta madre. Toi, 26 ans, 30 ans, là, elle doit t'appeler madre. Le contraire, celle de 67 ans, celle qui doit t'appeler madre. Parce qu'elle est loin d'être madre de quelqu'un. Vous connaissez ce qu'on appelle madre? Vous connaissez ce qu'on appelle madre? On parle des personnes sages. Hein? La madre, il y a l'autre là comme ça. Là. Comme ça, elle s'appelle madre aussi, non? Elle comme ça. Là. Jessie, c'est qui vend le truc là. C'est la même là, il faut que j'essaye de Jessie, c'est qui vend le truc à Abidjan comme ça. La jeune fille artiste, en même temps qui fait ses business à Abidjan. Oh, je l'adore. Quand je regarde ces vidéos, j'ai la chair de poule. Une femme courageuse, travailleuse. Une femme, waouh, il n'y a rien à dire. Quand je regarde ces vidéos, j'ai la chair de poule. Ces gens de femmes comme ça, on doit les appeler sur ces toits comme ça. Elle s'appelle comme Nadré. Elle c'est Nadré, non. Hein? Ces gens de femmes comme ça, là. Vous voyez, les vraies femmes comme ça. Les vraies femmes ambitieuses. Toi, tu es là, l'entrée, ils vendent yougou yougou derrière ton dos. Après, ça te fait quoi encore? Hein? Venez insulter les gens sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Faut pas changer, faut rester là comme ça. Tout le monde va te laver si un à un. Et puis c'est fini. Elle énerve même. Moi, elle m'énerve même. Ça se dit pas, mais franchement, elle exagère. Au revoir, mes amours. Bisous à vous, prenez soin de vous. Elle vit la championne du méta, franchement. Elle a bien fait sa propre donnée. Moi, je suis venu me salir à cause de toi ici aujourd'hui là. Oui, oui, parce que tu mérites qu'on se salue pour tes gens de conneries là pour toi. Parce que j'ai essayé de ne plus rentrer dans ces gens de paroles là comme ça. Mais tellement tu exagères. Ce que tu as fait à Chilo, non, tu n'es pas mieux que Chilo. Tu n'es pas du tout mieux que Chilo. Tu n'es pas mieux qu'elle. Hein? Dazi, tu n'es pas mieux que Chilo. D'accord? Tu n'es pas mieux que Chilo. Donc tu devais te cacher, la fermer. Tu n'es pas mieux que Chilo. Tu n'es pas mieux, tu n'es pas du tout mieux que Chilo. Ce que tu as fait à Chilo, je n'ai pas du tout aimé. Tu n'es pas mieux qu'elle. Tu as compris, tu n'es pas mieux qu'elle. Donc on parle de femmes qui trompent là. Toi, tu dois te taire, tu ne peux pas parler aussi. Et puis demain, tu prends, je te connais, non, vas-y. Parle un peu de moi là. Il y a longtemps, papa de montrer les pages. Vas-y. Au revoir. Elle est loupée.